Bonjour à toutes les quadras, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Je vais vous donner pour le spécial minceur de Femmes Actuelles quelques astuces pour sublimer votre corps, tonicité, endurance. Bien sûr, vous suivez déjà le plan alimentaire. Il n'y a plus qu'à s'entraîner un petit peu, votre métabolisme est déjà au top, enfin il me semble. Vous allez voir, très facile, on a besoin simplement d'un tapis de yoga, le reste vous me laissez faire. Deux exercices ou plus précisément une petite séquence de yoga que j'ai revisité via ma méthode. On va parfaire vos cuisses, vos fessiers, vos triceps et vos abdos. Vous récupérez votre tapis, on va commencer à quatre pattes. Très important, votre respiration se fait comme au yoga. On inspire par le nez, on expire par le nez. Votre dos est bien droit. On va passer de la posture du chat à celle du chien, tête en bas. Hop. Dans cette position-là, vous piquez les fessiers au plafond. Vous rentrez votre ventre, vous tendez très très fort les bras. On travaille déjà vos triceps, votre dos. Vous allez inspirer, monter votre jambe le plus haut possible, tout en gardant la jambe d'appui tendu et le talon le plus bas possible. J'inspire. À l'expiration, je ramène mon genou à la poitrine, j'abaisse les fessiers pour travailler mes abdominaux et mes triceps. À nouveau, j'inspire et j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Dernière fois, j'inspire et là, vous allez ramener votre genou à la poitrine et poser votre pied entre vos deux mains. Dans cette position-là, on va appuyer très fort dans le talon pour travailler le fessier. Serrez votre ventre, on va se redresser, faire un tout petit pas pour resserrer un peu les pieds. Vous glissez les bras le long du corps. Je vais inspirer, expirer. 5 petites fentes. À la cinquième, vous restez bien en appui sur vos deux pieds. On sollicite vraiment les fessiers, quadriceps. Vous allez monter vos bras, on va tendre les deux jambes et descendre le plus bas possible. Si ça coince un petit peu, pas de panique, on fléchit à nouveau la jambe et là vous allez venir position du chien renversé. Et on recommence cette série avec cette fois-ci, vous levez votre jambe gauche. J'inspire, j'expire. Encore deux fois, j'inspire, j'expire, rentrez votre ventre, j'inspire. J'expire, la dernière fois, vous allez basculer le pied entre vos deux mains. Hop, j'expire et je bascule. J'appuie très fortement dans mon talon qui est pile aligné à mon genou. Je me redresse, le dos bien droit, 5 petites fentes. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire encore. À la cinquième, vous restez jambes fléchies. Je monte mes bras, ventre rentré, je tends mes deux jambes. J'allonge très très loin pour gagner en souplesse. Je pose les mains. Je reviens posture du chien, tête en bas. Quelques instants, puis je redescends à genoux. Vous avez vu, c'est pas si évident que ça. Ça demande un gros travail d'équilibre, une grosse concentration. Calez-vous vraiment sur votre respiration. L'idéal, c'est de refaire cette séquence au minimum 3 fois. Celles qui ont l'habitude, vous pouvez passer à 5 fois. Et puis, en termes de fréquence, on recommence ça 3 fois dans la semaine au minimum. Et oui, il faut au moins ça, les filles, pour être sculptées et rester gaulées toute l'année. Vous n'hésitez pas, prenez votre temps, respirez bien. Et mon astuce pour arriver à rester au top tout le temps, c'est de vous automasser. Alors, massez-vous avec une huile minceur efficace et je vous conseille de le faire après la douche ou avant d'aller vous coucher. On n'hésite pas à palper, rouler sur les triceps, sur le ventre, sur les cuisses, sur les fessiers, la peau, le sport, votre alimentation et vous avez le trio gagnant pour rester au top.